Hello tout le monde! Alors bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler de mon adaptation au Canada. Alors sur Instagram, je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous vous posiez au sujet de mon adaptation au Canada et du coup j'ai recueilli 16 petites questions dans ce petit carnet et je vais y répondre tout de suite. Donc nous commençons. Quelles études fais-tu? Alors je suis étudiante en administration des affaires, donc l'année dernière j'étais en prépa, en année préparatoire et du coup cette année je suis en première année. Pourquoi as-tu choisi le Canada? Alors c'est une bonne question. J'ai choisi le Canada parce que je ne voulais pas spécialement aller faire mes études en France et je voulais changer d'environnement. Et aussi je voulais aller dans une ville bilingue pour pratiquer mon anglais. Et j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur le Canada. Et il y a aussi énormément de personnes qui m'ont parlé en bien du Canada, du coup je me suis dit pourquoi pas. Qu'est-ce qui t'a poussé à y aller? Alors principalement à l'école, parce que de base je voulais pas faire 2 années prépa, que ce soit en Guadeloupe ou en France. Et voilà, en fait HEC proposait une seule année préparatoire pour nous adapter un peu au système québécois. Aussi, j'ai trouvé que voilà, la ville que j'ai choisie, donc Montréal, était une ville très culturelle et moi j'aime beaucoup bouger. Et je me suis dit, bah voilà, elle pourrait vraiment me correspondre cette ville, donc voilà. Pour HEC, est-ce que tu es passé sur concours et comment ça s'est passé pour postuler? Alors c'est très simple, si par exemple on veut aller en licence, donc en fait on l'appelle au Canada le baccalauréat. Et c'est sur dossier, vous rentrez sur dossier, donc dès la terminale, vous êtes obligé d'avoir le bac avec mention bien minimum. Et ensuite, du coup, on étudie votre dossier et vous pouvez à ce moment-là entrer en année préparatoire, puis ensuite en première année de baccalauréat. Ton premier ressenti en arrivant là-bas? Alors en fait, mon premier ressenti, c'était que voilà, j'ai trouvé que le Canada était un peu comme les États-Unis, mais en version française, du coup c'était un peu chouette. Et voilà, très belle ville, très propre, les gens sont très respectueux. Voilà, c'était mes premiers ressentis. Était-il compliqué de trouver un logement là-bas? Alors oui et non. En tout cas pour moi, c'était pas trop facile parce qu'en fait, on cherchait à distance. On n'avait personne sur place pour visiter à notre place et donc on a dû choisir un peu au hasard et on n'avait pas trop de choix justement parce qu'on s'y est prise vers le mois d'août avec la rentrée en septembre. Et du coup voilà, par contre si vous avez quelqu'un qui est déjà sur place, c'est super simple d'aller à la personne, d'aller visiter pour vous et ensuite de réserver votre logement. L'apprentissage est-il difficile là-bas? Je dirais non, juste différent, mais voilà, comme partout il faut s'adapter. Mais en soi non, dès qu'on apprend à voir comment ça fonctionne et puis au fur et à mesure, ça va de mieux en mieux, mais non, c'est pas difficile. Faut-il un visa étudiant pour étudier là-bas? Du coup, alors oui, donc on a d'abord besoin du CAQ, le certificat d'acceptation au Québec qui va vous permettre d'entrer sur le territoire et ensuite le permis d'études qui correspond au visa étudiant et qui va vous permettre de rester sur le territoire pour y étudier. Le mode de vie t'a-t-il influencé sur ta mentalité? Alors oui, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que en fait, de là où je viens, quand tu passes dans la rue, même si tu es avec tes parents ou tes amis, les gens ont tendance à se retourner, à juger un peu, pas forcément tout le monde, mais voilà, c'est assez courant, alors que bah, au Canada, ils s'en foutent, ils s'en mettent complètement, c'est un petit peu comme les États-Unis, tu peux t'habiller comme tu veux. Les gens, ils vont même pas te regarder, pour eux, c'est normal et c'est très courant. Voilà, du coup, oui, ça m'a beaucoup incité à ne pas forcément juger, et voilà. Le fait d'avoir plus de responsabilités t'a-t-il rendu plus mature? Alors oui, en fait quand je suis arrivée au Canada, donc forcément il fallait que je gère mon argent. Ça c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude de faire quand j'étais en Guadeloupe. Mais au début c'était pas trop facile, mais, mais j'ai réussi à gérer. Et aussi il faut payer le loyer, voilà, il faut gérer ses dépenses. Donc voilà, c'est plus du coup des dépenses en tout cas, du budget. Voilà, j'ai plus de responsabilités, mais sinon au niveau des sorties aussi, si par exemple j'ai un examen dans une semaine, il faut pas que voilà
que j'allais trop vers la fête. Donc voilà, ça c'est à moi de décider tout ça, parce que avant c'était mes parents qui m'interdisaient, ouais, tu vas pas aller là, tout ça. Que là c'est moi qui décide tout quoi. Donc c'est vrai que tout décider, c'est super, mais il y a des conséquences aussi. Comment s'est déroulé ton premier arrivé là-bas? Mon premier arrivé là-bas, c'est plutôt bien déroulé. Donc il faut savoir que j'avais jamais vécu l'hiver de toute ma vie, même en France. Voilà, et c'était une grande première pour moi. Donc au début, en fait, j'étais toute contente parce que la neige, le froid, tout ça, voilà, c'était tout nouveau pour moi. Mais bon, après, j'avoue que c'était quand même un peu chiant de devoir porter plusieurs couches de vêtements, de devoir porter une grosse doudoune, des gants, des bonnets. J'étais pas habituée à porter tout ça, surtout très souvent. Donc voilà, et puis faut savoir aussi qu'au Canada, les centimètres de neige peuvent monter très vite. Et moi voilà, j'étais impressionnée. Il y avait aussi le verglas. Le verglas, c'est un peu comme la glace. C'est comme si tu patinais sur de la glace, sauf que t'as pas les chaussures adaptées. Donc voilà, c'était pas très drôle. Mais sinon, ça a été. Il y a juste un deux jours où il faisait moins 20, moins 25, ça faisait vraiment froid. Mais en fait, le Canada, eux, ils sont vraiment très équipés au niveau voilà, des doudounes, des gants, tout ça. Et aussi ils ont aménagé, ils aménagent tout. Il y a des souterrains, donc on a froid très peu de temps en fait. Et je dirais que le moment où j'ai eu le plus froid, c'était quand je devais attendre le bus. J'aurais mieux fait de marcher ce jour-là vraiment, mais je me suis dit bon, il va arriver dans 2 minutes. Alors que non, il était en retard et du coup voilà, je l'ai sur place. Le coût des études au Canada est-il important? Alors, c'est une bonne question. Pour les écoles de commerce, non. Parce que je dirais que si on convertit en euros, c'est à peu près le même prix que les écoles de commerce en France, comme HEC Paris ou MC Lyon. Mais par contre, les universités au Canada sont payantes. Donc ça peut être un inconvénient. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer? Alors déjà, si la personne hésite peut-être encore, je dirais voilà, vas-y. C'est vraiment une expérience, même si tu as peur, par exemple, que t'es pas rentablement trop ou voilà, que tu n'arrives pas à t'en sortir tout seul. C'est quand même une expérience de ouf, moi je regrette pas du tout. Et enfin, le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de ne pas avoir peur du froid. C'est très facile à dire, c'est l'autre conscience, moi-même je suis une grande frileuse. C'était vraiment le truc qui m'empêchait de prendre ma décision d'aller faire mes études au Canada, c'était le froid. Mais une fois que le printemps arrive, franchement, vous oubliez tout de suite qu'il y avait l'hiver, que l'hiver s'est passé pendant 6 mois vraiment. Donc, vraiment pas avoir peur de l'hiver, c'est vrai que c'est quelque chose, ça peut être un obstacle. Croyez-moi, avec tout ce que vous allez vivre toute l'année, ça va pas vous arrêter. Est-ce que c'est la destination parfaite pour l'anglais? Alors je dirais oui et non. En fait, ça dépend des villes. Par exemple, Vancouver ou Toronto, ça pourrait être la destination parfaite, oui, parce que forcément ce sont des villes anglophones. Mais par exemple, dans la ville où je suis, Montréal, qui est une ville bilingue, bah, je dirais que c'est pas forcément la ville idéale parce qu'une communauté française très forte, il y a des Québécois, tout ça, donc on aura beaucoup plus tendance à parler français qu'anglais, à part si effectivement on est dans une école anglophone. Je conseillerais en tout cas pour l'anglais, si vous voulez vraiment pratiquer votre anglais, allez dans des, si vous pouvez vous le permettre, allez dans des villes plutôt anglophones. Quels ont été tes meilleurs souvenirs au Canada? L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est quand je suis effectivement arrivée à Montréal, Canada. Ben, en fait, j'étais jamais allée au Canada de ma vie. C'était vraiment super. J'avais des pas dans les yeux. Je suis allée avec mes parents. On s'est installés pendant 1 ou 2 mois. Ils sont repartis après. Mais voilà, rien que de découvrir la ville avec eux et me dire voilà, je vais faire mes études. C'était vraiment super ces premiers mois avant la rentrée. Ensuite, les intégrations au sein de mon école, c'était vraiment super. Ces intégrations m'ont vraiment permis de me faire des amis, de m'intégrer, de bien m'intégrer au sein de ma classe. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu participer à ces intégrations-là. Un des souvenirs qui me marquera, je pense à jamais, ce sont mes premières neiges. J'étais toute excitée comme une enfant, donc j'étais avec mes amis et voilà. C'est qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de neige ce jour-là, je me rappelle. Mais c'est limite si voilà, je me roulerais par terre parce qu'il y avait de la neige quoi. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt. Bisous.